et salut. Et on est parti pour refaire un petit peu de FM23. On va aller voir le classé pour voir s'il a changé. Parce que ça serait pas mal qu'il ait changé. Allez, c'est bon, on peut commencer. J'ai reçu du courrier, je crois. Merde. Hein. Il y a un petit truc qui clignotait tout à l'heure. Ah, vous avez des messages. La Terre, la division argent. Quand vous serez dans cette division, vous obtiendrez des XP podium. Continuez et voyez. Quelle place vous pouvez atteindre la fin de saison. La classé, vous avez gagné 145 points et terminé 3ème sur 13 parmi les personnes de votre groupe. Vous obtenez promotion de division et passez dans la division bronze, de la division bronze à la division argent. 5% des XP. Ok, on va aller voir ça. Une course pour commencer, ouais, c'est pareil. Il y a que du. On peut pas faire de. Classer comme avant. Chine, Bahreïn, Qatar. Bahreïn, Qatar, ça va, Chine. Pff, de toute façon, on peut même pas mettre nos réglages, donc au final, c'est nul. Je suis vraiment déçu de se classer. Vraiment déçu. Donc il avait commencé sur le 22 là, je pensais que ça allait être pareil, mais bon. On va espérer que ça change. C'est pas ça. Chine, évidemment, celui que je connais pas. Pas bien en tout cas. Vraiment dommage. Hein. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont foutu avec ce classé. J'ai vraiment du mal là. Sélectionner, personnaliser, mais. Le mettre sélectionner, personnaliser, mais on peut pas. Ouais.
Le seul truc qu'on peut bouger au final, c'est la transmission et le freinage en course. C'est le seul truc qu'on peut bouger au niveau des réglages. Quatrième, on est bien derrière. Même pas vu les tiens, j'ai pas vu les la stratégie. On est sous-classé là avec les fantômes, m'étonnerait même pas. C'est fantôme. Dommage. Bon début, joli travail. Bing. Alors pendant les caïfs, j'ai pas du tout glissé, là je glisse. Hein. Allez, virage. Je sais plus comment prendre non plus. Ouais, les pneus 100 degrés.
ça bouge pas. Le DRS est maintenant disponible. Tu perds une seconde par tour sur la voiture de derrière. Une seconde. Mais... Tu veux que j'y passe, j'y peux rien moi. Bon. Une voiture aussi rapide que la sienne. Là, c'était pas la voiture. On est passé derrière, reste concentré. Ok, super. Ça te fait 3 tours impeccables d'affilée. Beau travail, continue comme ça. Je suis parti en quoi? Je suis parti en médium. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 5,2 secondes. J'arrive pas à rouler, quoi, ça me saoule. Puis s'il me passe devant après avoir chopé le RS, c'est enfoiré. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des tendres. Putain, on dirait qu'il passe beaucoup plus vite les virages que moi, quoi, j'y arrive pas. Hein. De toute façon, si c'est comme ça, je crois que je vais arrêter le classer. Ça m'intéresse pas du tout de jouer avec des fantômes. Jouer avec des fantômes sans pouvoir paramétrer les réglages. Je sais vraiment pas qui c'est qui a réfléchi à avoir faire un truc aussi merdique pour les fantômes, pour le classer.
nul à chier. C'est vraiment propre ce que tu nous fais en ce moment. Excellent. Tu sais ce qu'on dit. La régularité, c'est le nerf de la guerre. La fenêtre d'arrêt au stand vient d'ouvrir. Mais non, je vais pas faire la moitié avec les... Je vais pas aller au stand avec les médiums à 7 tours sur 14. T'en fous. Tu creuses un écart confortable de plusieurs secondes par tour entre la voiture de derrière et toi. Ouais, mais alors celui de devant, je le rattrape pas. L'écart avec la voiture qui te précède est de 3,7 secondes. N'importe quoi. Faut passer en plein milieu des virages. La truc qui a 13 secondes derrière, je suis sûr que quand je change les pneus, ils me rattrapent. Je sais pas comment ils font. J'ai rattrapé 12 secondes en 500 mètres. C'est incompréhensible tout ça.
Combien? Tour 9. Rentre maintenant ou le tour d'après? Ouais, je vais rentrer maintenant. Il y a du mouvement dans les stands. C'est pas immersif, c'est comme ça. Les mécaniciens sont sortis du garage avec pour mission de réaliser l'arrêt le plus rapide possible. Neuf secondes, il m'a mis l'autre. Fin de notre stratégie pour les stands. 4 secondes. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Évidemment, j'ai pneu chaud. Voilà. Zéro simulation en classé. C'est nul. Il nous reste 5 tours de carburant. Écart avec la voiture qui te précède. 8,6 secondes. Dans environ 10-15 minutes. 10-15 minutes, bon, j'aurais fini normalement. J'espère, si là c'est qu'il y a un problème. Ah, dommage, je suis sorti. À peu près 3 tours de carburant.
Eh ben. 20, 15 et 9 secondes. C'est nul. On voit pas qu'est-ce qu'on fout dans la même catégorie quoi. Je crois qu'ils ont loupé des trucs hein, sur le classé, vraiment. Encore du temps dans le deuxième secteur. C'est pas où. Drapeau jaune. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Pas de dépassement sous régime de drapeau jaune. Dernier tour, c'est parti. Hop là, allez, vas-y que je coupe. N'importe quoi. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Mais ça tombe bien ce dernier. Ton retard sur la voiture de devant. 4,3 secondes. Allez, on a la fin. Facile. Facile, facile. Bon. Tout le monde. Voilà. Bon, mais quatrième. Bon, c'était une bonne course, mais tu n'étais pas assez rapide. On a loupé l'objectif. Eh ben ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, comme ça. Nul, tu nul. Moi, avec déjà nul. Et qui roule bien. Oui, 6, merde. Oui, 6. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Bien roulé pourtant.
cadeau. Je suis pas dans une. Je suis toujours pas dans un groupe. Et puis on est reparti. Ah, normalement là je suis dans un groupe de ma catégorie, donc il devrait y avoir les collisions. On peut le voir ça, les paramètres. Dégâts minimum. Collision. Code entre pilotes désactivé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas les collisions entre pilotes? Nul. Très bon. Je vais finir par créer des lobbies plutôt que de faire les classer. Sauvegarder. C'est déprimant. Et ça n'a pas l'air de pleuvoir, c'est pas mal. Pleuve au Qatar, ça faudrait vraiment pas avoir de cul. Oh là là, je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi sur ce tour qualif. Vingt-trois, 3 secondes avec le premier. Super, on est encore dans la même catégorie, c'est bien. Ah, là on a stratégie, ben, on doit avoir les collisions alors là. 5, 9.
15-5, ça me va. Village. Quelque chose. Transmission, pas y toucher. Ok, désolé. Heureusement qu'il n'y a pas trop de dégâts. Salut pilote. Ça va? Est-ce que tu as testé le classé du coup? Drapeau jaune. Oh mais merde, comment ça? Illégal, repasse derrière. Mais putain, mais on c'est pas vrai. À une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre? Ah, le ça plan me initial. Saoule. D'accord, confirmé. Ils sont cons alors, mais c'est pas possible quoi. Ils sont tous en train de rentrer, c'est vraiment des abrutis, ils ont tous touché quoi. N'importe quoi. Non, encore un plein réglage. Bah écoute, fais tes réglages et ne va pas en classer. C'est très nul. J'insiste, mais j'aime pas si ça vaut le coup d'insister. Fonce, tu es entré sur ton emplacement pile au bon moment. Bel arrêt. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Je sais, c'est tentant d'attaquer tout le temps, mais choisis mieux tes moments pour passer à l'offensive. Oui, c'est pour dire des conneries comme ça, tu la fermes, Jeff. On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. Drapeau vert. T'es en train de jouer là, toi aussi? Maintenant utiliser le DRS. DRS disponible.
Ok. Ton retard sur la voiture de devant. 4,9 secondes. Derrière là, il a du quoi, il a dû taper, en plus il a 5 secondes de pénalité, il a tout gagné lui. Ok, super. Ça te fait 3 tours impeccables d'affilée. Beau travail, continue comme ça. Maintenant, en fait, pour monter, il faut que je compte sur les erreurs des autres. C'est chiant. Évidemment, les erreurs, ils les font au début quand ils te pètent tous dedans. Une fois que t'es bien dernier, il n'y en a plus un qui fait une erreur, quoi. Merde. Je vais laisser le RS. Je suis à voir tout seul. Devant, impossible à rattraper. Notre retard sur la voiture de devant. Matchmaking est vraiment pourri. 10,4 secondes. C'est vraiment propre ce que tu nous fais en ce moment. Excellent. Tu sais ce qu'on dit. La régularité, c'est le nerf de la guerre.
pas s'ils vont tenir les pneus, peut-être falloir que je repasse au stand. J'en ai bien peur. Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. Il croit pas trop, mais je vais essayer, monsieur. Ah bah si. Il avait raison, le con. Retour à la normale. L'écart avec le pilote de devant est de 5,3 secondes. Je pense que je suis passé plus vite là comme ça. Vraiment pas sûr. Là, c'est l'impression que j'ai eu. Pourtant, je suis en rouge, au même secteur. Et je trouve que je passe mieux. Bizarre, je dois passer mieux mais plus lentement alors. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Ouais, ils sont comment les pneus là. Oh. Je m'arrête au stand, je repasse des softs. Si je m'arrête au stand, je passe en 12e. L'autre il m'a rattrapé à une vitesse. Lui il a repassé des softs. Ouais, je vous tente. Hein.
Non, j'attends pas, je sais pas où ils sont les stands. Compris, tu rentres dans ce tour. Étonnant que ça change grand chose, mais bon, on va essayer. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Est-ce qu'il veut m'indiquer la voie du pont? Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 5,9 secondes. C'est bon. Par contre, je loupe la longue ligne droite. Ça servira à rien, je pense. Au contraire. Vas-y, mets les gaz. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Et notre, il va avoir mis plus de 5 secondes, et ouais, évidemment. Ouais, donc c'est une grosse erreur que j'ai fait. Ça servait c'est absolument à rien. Il faut faire chauffer les gommes. Tant pis. Je vais pas rattraper 10 secondes en 3 tours, ça c'est clair. Ça finir les réglages, ouais, ça marche. Juste au bien. L'assaut classé maintenant. Ah, tu vas essayer? Alors non, je t'ai dit amuse-toi bien, mais du coup non. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Remarque, toi qui roules mieux que moi, peut-être tu t'amuseras plus, mais bon. Moi je m'amuse pas pour le moment classé, j'essaie d'insister mais... Puis t'es-tu ? Attention, attention. Drapeau vert. Dernier tour, dernier tour. Il glisse un peu lui là, pourquoi il glisse pas?
peut-être revenir. Hein. Est-ce que c'est ces pneus qui font perdre autant de temps? Là, il a perdu énormément de temps un peu dans le ring. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré. Viens, moi. Il a la chance. Tu as préservé la voiture et j'en suis obtenu, très content. Vous avez bloqué le succès. Seulement, prudence. Il faudrait trouver le moyen d'aller plus vite. Bah ouais, il faudrait trouver le moyen d'aller plus vite, ouais. Ça c'est clair. J'aimerais bien le connaître, le moyen pour aller plus vite. Je vais perdre des points encore. Point 5 encore. Je comprends pas trop ce truc. Une 28. Je suis vraiment, vraiment plus lent que les autres, quoi. C'est impressionnant. Ah déjà c'est sûr je suis pas dans mon niveau. En plus de ça je sais pas comment faire pour aller plus vite. Et merci pour le follow M7. Il y a une place, il y a une place pour quoi? Pour toi, pour jouer? Là je suis en classé donc je sais pas si on peut jouer plusieurs en classé pour la même course quoi. Vous voulez ouais. Écoute comme je te dis je suis en classé là, je fais du classé. Merde. J'ai pas pris le temps de regarder. Je sais pas si on peut je comprends rien de toute façon à se classer là. Non, pas grave. Bon, ok, ça marche. Paul Walker, merde. En tout cas, là, on n'est pas bon. On continue comme ça, on redescend en bronze. Mais je pense que bronze 3, c'est mon niveau en fait. Plus que l'argent. Là, je le répète. Ce système de classé dans le FM23, il est nul à chier. J'aime pas du tout.
Pour pas faire les réglages, j'imagine. Ah si. C'est sur quoi? Sur quel circuit? Shanghai. Pas de réglage. Comment ça se fait que maintenant je peux mettre mes réglages? Je comprends rien. Maintenant on peut mettre les réglages, mais pourquoi je... Ok. Mais Qatar, j'en avais des réglages. Je suis bon, je croyais que c'était la Chine. Mais non, c'est la Chine. C'est bon. Pas de réglage pour la Chine. Le 6e. J'avais su, j'aurais fait des réglages. Essayer de faire quelque chose. Stratégie déjà. Tac. Merde. Et ça. Chose, est-ce qu'on peut... Chose. Essayer. Pas trop mal ce départ. Essaie de gagner des places maintenant. Je vais essayer. Comme ça qu'il faut faire. Oh, je sais pas ça.
Super. Je vais jamais y arriver. Dernier, ouais, je suis dernier. Je roule super mal, mais c'est pas possible. Ça me donne mal à la tête là cette course. Hein. Déjà, je suis pris au dépourvu parce que j'ai les réglages. En plus de ça, j'ai la voiture qui glisse. Hein. Insupportable. Je glisse pas comme ça d'habitude. Ben non, elle reglisse encore. Est-ce qu'il y a la température des pneus ce coup-ci? Ah ben voilà. Pourquoi je glisse? Et je comprends pas pourquoi on est à pleine simulation maintenant. Voilà, m'expliquer. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que. Ok, le DRS est disponible. Sympa. Ok, super. Bon, ça te fait trois tours impeccables d'affilée. Beau travail, continue comme ça. On fait encore un grand prix tout seul, quoi. Chiant.
Parce que demain je le rattrape petit à petit, mais... c'est moi qui le rattrape ou est-ce que c'est lui qui fait de la merde? Les pneus ils veulent pas refroidir. Faut que c'est lui qui fait de la merde un peu. Hein. Putain, pourquoi je fais ça? L'écart avec la voiture qui te précède est de 1,5 secondes. Retour à la normale. Qui sont surgonflés peut-être. Oui, j'appuie, non, on peut pas... pas demander à baisser la pression des pneus. Putain. Ah, j'ai pété le rond. Bon. Ça a rien de continuer. Me fait chier quand même. Bon, mais si on a les réglages, maintenant je vais partir faire des réglages. Oh, Qatar ou non? Paris, non, non, il y a que Chine en fait. Paris, on l'a pas fait une fois. Qu'est-ce qu'il y a au garage? Bon, je réfléchis même plus maintenant. Un truc plus haut, je le mets. Allez, on a les billets de Panini. Lando Norris. Encore quelque chose. Ah, Fernando Alonso. Au cœur du circuit, Arabie. On a collé les vignettes. Allez. Merde, c'est pas pareil. Hop, pareil, on a les réglages. Ouais. On va regarder d'ailleurs. On a des réglages pareils.
Qatar, donc il me manque bien. Manque bien la Chine. Alors, chargé. Ok, on va regarder ce que ça donne. Oh merde. Ok, je veux juste essayer. Étant donné que mon tour il était foutu. Ouais, le problème c'est vraiment pas les réglages, c'est moi. Hein.
Ok, ces réglages, ils sont pas mal. Les enregistrer. Hop, Chine. Je vais tester d'autres réglages. Voir ça. Ah, mais c'est les réglages que j'ai. Ah, c'est les réglages que j'ai. Il y en a un autre. Quatre, même chose. Pareil. Ouais, c'est pareil. Ça, je pense qu'on est bon. Terminer la séance. Je vais retourner en classé. Essayer d'en faire une. J'espère que j'aurai accès aux réglages. C'est pas opiné. Oh non! On va attendre. C'est pas sur une nouvelle session, on va attendre. J'espère qu'on va attendre, mais pas trop longtemps quand même. Collision, oui. Ok, ça c'est bon. C'est la monoplace standard, standard. Qu'est-ce que je voulais voir moi? S'il y avait les réglages. Même pas où c'est qu'on le voit ça. Être là. Je ne le vois pas. J'espère qu'il vraiment qu'il dit ça. J'aurais pas fait une seule fois Bahreïn aujourd'hui. Ah, j'aurais bouffé du Qatar et de la Chine.
Bon, après, je crois que sur les trois, c'est le Qatar que je préfère quand même. Chargé. C'est bien. La piste. Seconde 8 en deux virages, il m'a mis, putain, c'est injouable quoi. Et bien sixième. On va partir sixième sur 10. Pas dégueu, mais il y a un gros fossé avec les premiers et ça me saoule. Le matchmaking des classés, c'est vraiment de la merde pour le moment. Encore que là maintenant j'ai les réglages, je l'avais pas, pas présent. Et ça c'est déjà beaucoup. Alors stratégie 18. Carburant. La course. N'importe quoi, mais putain!
Ok, suite à ce qui vient de se passer... Ben ouais, on va changer de stratégie. Putain, c'est chiant. J'ai plusieurs choix à te proposer. Alors surveille bien ton AMF. Tour 6, tour 1. Ah, ça fait chier, quoi. Ok, compris. Ah, ça tourne pas. On va rentrer maintenant, allez. Je suis dégoûté. Ils sont injouables, quoi. Il nous a pété dedans à tous les deux, l'autre. Hein. C'est bon, vas-y. C'était un super arrêt. Beaucoup mieux que ce qu'on espérait. Putain, faut que je fasse toute la course en médium maintenant. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Et je refais encore une série tout seul, quoi. L'autre, il a rien pété. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Le DRS est maintenant disponible. Ok, super. Ça te fait 3 tours impeccables d'affilée. Beau travail, continue comme ça. Tu prends une belle avance à chaque tour sur la voiture de derrière. Beau boulot. Si. Thank you.
J'ai peut-être gagné deux places là. Dans une. Hey, c'est vraiment propre ce que tu nous fais en ce moment. Excellent. Tu sais ce qu'on dit, la régularité, c'est le nerf de la guerre. Oui, il faut qu'il se plante devant. Va même derrière, parce que derrière il rattrape aussi. Devant il m'a remis une seconde. J'ai pas l'impression d'avoir changé de rythme quoi. Les trucs que j'ai du mal à suivre. Écart avec la voiture qui te précède. 3,4 secondes. Drapeau vert. Vous pouvez s'attraper devant. Il faudrait perdre un peu de temps, ce serait pas mal. On va s'attraper ça. Ça c'est se planter. Le problème même, c'est que maintenant il va me casser les couilles à moi. C'est bien les couilles, oui. On a perdu une place, on est descendu d'une place.
Oh là là. C'est pas vrai, quoi. Ah, il me laisse passer quand même. Tiens. Ça va. Là, dans ces virages, il me rattrape à chaque fois. Et il me rattrape bien, quoi. Je sais pas ce qu'il y fait dans ces virages. C'est cool qu'il m'ait laissé passer, par contre. Je m'attendais pas. Vu l'écart qu'il avait fait. Bien serré quand même. Et je vais même pas plus vite que lui alors que le DRS. Dommage. Parce que j'y mets un peu la pression là. Il nous reste 5 tours de carburant. Comment il va plus vite que moi sans le DRS quoi? Putain! Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. C'est moi qui gagnais pour le moment. Il reste encore 3 tours quand même. J'ai l'impression qu'il est long ce Grand Prix.
Ah, il s'est arrêté au stand? Qu'est-ce qu'il fait? Il a pété un truc ou quoi? Ah, il veut mettre les softs. La voiture de devant, 0,9 secondes. Ouais, bien sûr, ouais. 0,9 secondes sur la voiture de devant. Pourquoi j'avais pas le RS alors? Le DRS? Il pète un plomb, Jeff. Oh! Jeff, réveille-toi, bordel! Compris, bien sûr. Content d'avoir gagné mon duel quand même. Pourquoi les pneus? Comment? Oh, mort. Le chier, c'est que je crois encore une fois que je vais pas gagner des points. J'aurais aimé au moins me stabiliser sur le premier échelon d'argent. Apparemment, je pourrais pas. Parce que plus de la moitié d'un tour, le premier. Et voilà. Bon, encore une fois, milieu de tableau. Hein. Et je suis sûr que si on se fait pas toucher au début, je peux être plus haut encore. Mais vraiment, à chaque fois, on se fait péter dedans, quoi. C'est chiant. Et les types, c'est les premiers trucs qu'ils cherchent, quoi. Et après, ils jouent.
Bravo, bravo, félicitations, et joué. Point classé, est-ce que j'en gagne? Plus 16, non! Ah, mais ça fait du bien! Avec 16 points, on se maintient en argent. Pour le moment. Comment la licence 1 est passée en A, pas mal. C'est peut-être pour ça qu'on a les réglages. Ah, il faut qu'on y reste en A. Vraiment qu'on reste en A. D'accord, donc ça marcherait comme ça. En C, il n'y a pas de réglage, c'est fantôme. En B, il y a les collisions, pas de réglage. En A, il y a les réglages. Ok. Ok, donc il faut vraiment qu'on reste en A. Par contre, je vois pas le classement là, c'est dommage. Ah. Mais je voulais voir que je reste argent quand même. Votre groupe 4 sur 100. Hop, on a des trucs. Ça, je me demande de plus en plus si ça compte pas dans le classé. Tac. Épique, c'est bien épique, non? Meilleure probabilité d'obtenir des. Ah. Allez. On n'a pas de panini! Bon. Tant pis. Épreuve à venir. Épreuve double XP. Grand Prix d'Autriche. Ah, ça c'est le prochain classé? Non, je sais pas. C'est quoi ces épreuves là? Est-ce que c'est ça là? Bon, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé. Passez une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.